Donc, on va dans Actes 16, 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, Bible de la liturgie. Comme nous allons à un lieu de prière, écoutez attentivement. Comme nous allons dans un lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle apportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Les oracles, c'est quoi? Ce sont des prophéties. Bible à la colombe. Comme nous allions à un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous voyez, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Vous voyez, donc, cette femme-là avait été possédée par un démon de python. Vous voyez, un démon de python. Un esprit de python, un démon de python. Et tous ceux qui sont possédés par ces esprits-là, du bas astral, ce sont, on les appelle des nécromanciens, on les appelle des diseux de bonne aventure, on les appelle des voyantes. C'est pour ça que quand vous voyez même les journaux, il y a l'horoscope, il y a les diseux de bonne aventure, il y a tous ceux qu'on appelle des marabouts, ils sont possédés par des esprits de démons, pas des esprits des pythons. Vous voyez, 1 Samuel chapitre 28 au verset 7, traduction King James française, il est dit ceci. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui a un esprit de python, et j'irai vers elle, et je la consulterai. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor une femme qui connaît la magie. Lévitique chapitre 20 au verset 6, traduction David Martin. Quant à la personne qui se détournera après ceux qui ont l'esprit de python et auprès des devins en païdant après eux, je mettrai ma face contre cette personne-là et je retrancherai du milieu de mon peuple. Retrancher ici, c'est quoi? Ça veut dire banni, on va l'expulser, en gros, il ne fera pas partie de l'assemblée du divin Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité.